Libération, mercenaire colombien qui te fin touye président Jovenel Moïse dans la coupe pays d'Haïti, peuple haïtien. Je tiens nous exactement 11 novembre 2022. C'est avec un pile tristesse, avec cœur serré, et que je monte là pour me faire vidéo ça, pour me faire un petit parler ensemble avec nous. Mais évidemment, c'est concernant l'assassinat président Jovenel Moïse. L'extrêmement grave. Papa haïtien, Jovenel Moïse, yon haïtien, nan trou du Nord. Et que Jovenel, alors Matéli, t'al chercher nan Jadel, pour te rentrer par opposition à Mavel, pour devenir candidat sous bannier parti. PHTK, parti haïtien tête calée. Nous connaissons évidemment comment ça t'est passé. Mais ça finit avec assassinat président ça 6-7 juillet 2021 en dedans chambre la Kaeli dans Pèlerin 5 dans Pétionville là. Papa haïtien 16 mois et 5 jours et 4 jours après, 16 mois et 4 jours après, eh bien, pouvoir, groupe criminel qui te met cop de yo, avec la justice haïtienne qui te met mandat pour aller tout le président, eh bien, yo décide pour que yo libéré 9 Colombiens en attendant qui te saute exécuté président PIA. Qui c'est président Jovenel Moïse? M'boko jam saisi nan vim kon sa. Et c'est là m'ap di nou. Laissez aller ça. Bay voie libre ça. Freine nou pas jam de freine lan. Van sa ki ouvè a. Ou binet sans sa ki nèg yo debouche nan peyi a. Ou nou même comme peyi se nou pas ouvri lan. Nou fèk carré assassiné. Parce que c'est la justice haïtienne qui ba monsieur ou mandat pour assassiner nous comme peuple. C'est des juges d'instruction. C'est droit à un tribunal civil de Port-au-Prince qui est le Bernard Saint-Ville. Qui compète tout Zach Malonet qui a fait dans le pays. Tout assassinat, tout kidnapping, ça yo. Je dis à peuple haïtien. Gagne un avocat qui est le gardien de Maisonneuve. Mettre Maisonneuve ou toujours tendez qui t'a libéré prisonnier politique. Soit disant. Libéré gang, il faut connaître que c'est prisonnier, politique qu'il t'a libéré. Maisonneuve, ça, c'est lui-même. Qui entend ni avec gouvernement Ariel Henry, avec des gens qui dans le secteur privé parmi eux, Dimitri Vobriginal Boulos, lui touche l'argent li, avec Bernard Saint-Ville, yon fou complot là. Dans le moment où je prends code vidéo ça, là yon ta préparé là pour descendre dans le tribunal de Port-au-Prince pour yon libérer 9 nan Colombiens. 9 nan Colombiens qui t'a exécuté président Jovenel Moïse. Mais par contre, ou te tende ou te dit comme ça que, sous Gary Aurélien, le Gary Aurélien tape mené dossier, li te faut connaître que raison qui cause pas qu'attendre les Colombiens, c'est parce qu'elle pas gagné interprète pour yo. C'est parce qu'elle pas gagné avocat pour yo. C'est parce qu'elle pas gagné de monde qui a traduit pour yo. Yo pas qu'attendre yo. Et bien je dis, sans que yo pas ni gagné traducteur pour yo, yo pas gagné avocat pour yo. Et bien, gardez mes Maisonneuve, li même li est un véritable avocat tout Colombien yo. Et puis Bernard Saint-Ville, c'est lui-même qui, comme juge des référés, doit être tribunal civil là, qui prend une décision matin là pour libérer Colombien yo. Pour libérer Colombien yo. Est-ce que nous t'en disons, dit nous là bien? Est-ce que t'en bien? Même quelque part, je prends une nouvelle là hier soir, je cherche à vérifier matin, je confirme exactement, et que l'audience l'a fait à 10 h, dans le moment où je prends une vidéo ça là. Ou juste pour le fait. Bernard Saint-Ville pour le siéger comme juge des référés. Ou action en habeas corpus, comme si demandé par Gadi Maisonneuve pour que vous avez libéré Colombien. Maintenant, la presse haïtienne, médias traditionnels,
yo ferme les yeux sous ça, yo couche les oreilles. Et c'est là m'a dit non, oui. Système assassin qui prend pays en otage là, c'est toute une machine que lié. Li pas marcher sans la presse li. Li pas marcher sans médias traditionnels li. Li pas marcher sans avocat criminel li. Li pas marcher sans juge gang ni. Li pas marcher sans politicien assassin li. Li pas marcher sans comme li pas marcher sans boss système nan qui c'est patron système nan qui c'est oligarque corrompu yo. Moun ki nan droits humains. Si t'es gen moun k'ap défendre droit moun nan pays ya matin là, ou t'ap prêt toute organisation droits humains yo, m'en enragé dans toute radio. Après tout côté sorti note. Pour dire barré en haut, barré en bas, contre complot ça. Parce que son président de la République qui a assassiné. En dit de chem la kaili. Yo président de la République en fonction. Nèg yo assassiné. Évidemment, frère avec sœur, c'est complot ça. Nèg yo organisé yo. Pour monter 16 mois, 4 jours après, yo fin krabine, maspine, humilié, peut-être des grands yeux, casser deux poignets, casser deux pieds, craser colonne vertébrale, craser crâne. Yo président de la République en fonction. Yo crase un bon madame ni avec cartouche devant deux petits yo. La caillou appelle resec. Mais je dis, hein. 16 mois et 4 jours après, eh bien, nous nous mettons ensemble pour que vous libérez, pour que vous libérez, mais c'est le Colombien, pendant que le président colombien à l'époque, qui c'est Ivan Duque, te fait connaître que exactement les preuves tangibles, les bons gens et informations. Que Colombien yo te connaît que son président de la République qui pral assassiné, il pral exécuté. Sami. Président qui montait là dans pays colombien. Dans les Nations Unies dernièrement qui mois de juillet m'a trouvé moins. Il s'est présenté excuse lui. Alors mois de septembre. Il s'est présenté excuse lui devant la famille Moïse, devant peuple haïtien. Parce que les soldats colombiens qui rentrent en Haïti, qui viennent faire un job, qui viennent exécuter un président de la République en fonction. Jodia, nous prenons parler pays et nous prenons parler avec loi dans tête peuple haïtien. Hein? Nous prenons parler avec tout démon quand dans peuple haïtien. Hein? Et nous prenons lever papa de Saline. Nous prenons mettre dans tête chaque grain haïtien. Nous prenons lever papa de Saline côté lié. Esprit papa de Saline, esprit sans cette nouyo. Nous prenons mettre dans chaque grain haïtien. Et déjà moi-même, je vais blender tête moi avant de venir là. Parce que je prenons parler pays. Je prenons parler pays après émission ça. Ça qui arrive pas existe encore. Parce que ça me dit yo, c'est de bagaille tête chargée que yo yé. Mais nous faisons choix. Pour nous parler. Nous prenons parler pays. Avec frère, avec sœur, cap tande nous, cap garde nous chaque jour qui dans diaspora haïtienne. Nous parlons pas les pays. Nous parlons pas les pays avec tout paysan même j'avais yo, même j'avais Jovenel Moïse qui a assassiné yo. Et paysan ça qui te remet Jovenel Moïse en pile, et ben nous parlons pas avec loi dans tête yo. Nous parlons pas les pays. Nous parlons pas les pays pendant que n'a continué parler de dossier massacre qui a passé dans le pays. Parce que ça, nous avons deux grands points que nous pouvons aborder ensemble avant dans la démission. Et côté que nous prenons le temps de Regina Boulos tout qui a plaidé sur l'assassinat du président pays, il est important. Nous avons des commentaires que nous pouvons faire ensemble avec vous. Il est intéressant. Entre temps, nous même pas perdre du temps. Partagez l'émission de tous côtés. Partagez l'émission de tous côtés. Partagez l'émission de tous côtés pour faciliter la parole ça yo. Rivé dans oreille chaque grain haïtien qui a souffri en dedans pays d'Haïti. Partagez émission ça. Avant qu'on commence, avec tout respect et toute estime que m'gen pour nous, m'a dit nous bonjour,
Bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois, Jean que nous connaît, c'est toujours un plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous. Ça vraiment fait du bien. À chaque fois que me connaît, m'a vienne partager moment ça ensemble avec nous et que me connaît nous va réagir exactement à travers commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons. Eh bien oui, tout ça que nous comprenons. De ça qu'a dit dans l'académie de Panouan, qui passait sous plateforme Panouan, qui c'est plateforme YouTube, Info Bertoa. Parce que il est clair que, eh bien nous attendons, nous comprenons, nous apprécions ce travail. C'est normal pour que nous gagnions des choses que nous avons envie de dire. Eh bien justement, par l'autre côté, que nous sommes capables de partager ce que nous avons envie de dire, c'est dans l'espace commentaire là. Dossier a li extrêmement compliqué. Li di en pile et honnêtement m'a dit nous ça, de l'eau coulée dans yeux parce que moi yon chrétien vivant qui sont président de la République en fonction que classe politique yon pays avec maître classe politique traditionnelle là assassiné le yon fin assassiné même cadavre là y a humilié, yon continue à cracher sous cadavre là. Ou je ne la justice qui t'a supposé. Au sommet, que tout le monde t'a supposé en bas la loi. Ou je ne même la justice ça. Les je même wall avec assassin. Qui a les âmes qui foutent président Jovenel Moïse 12 balles là. Ou je ne ben à Saint-Ville, continue avec coup de pique-li, mitraillette-li, à mitrailler président PIA, qui c'est président Jovenel Moïse, même dans la molle. Ou je n'y a un avocat qui est le Gadi Maisonneuve, que m'a demandé chaque grand haïtien, file mon chat nous, pour la chercher Kay Gadi Maisonneuve dans le pays d'Haïti. Honnêtement, m'a dit nous ça, cherchez Kay monsieur avec mon chat nous. Ou pas le dire violence? Non, li pas violence. Gadi Maisonneuve. N'a pas cherché photo monsieur, pour ne pas payer. N'a pas cherché photo monsieur, pour une belle nation, hein? N'a pas cherché photo monsieur pour une belle peuple haïtien, hein? N'a pas cherché photo monsieur pour nous montrer la République qui est-ce qui gardit Maisonneuve là. Gardit Maisonneuve là, effectivement, peuple haïtien, faut me rallier photo monsieur, oui. Faut me rallier photo monsieur. Ben moi, parce que c'est important. Pour nous râler photo Gadi Maisonneuve ça. Faut nous chercher photo monsieur. Gadi, alors Maisonneuve. Est-ce qu'il a besoin de photo monsieur là? Faut nous jeune photo monsieur. Si nous avons une photo là, c'est sûr que après-midi, on peut faire une jeune photo. Hein? Et voilà. Et nous pouvons tomber sur photo là, mettre Maisonneuve. Mettre Maisonneuve. Voilà. Maisonneuve. Le peuple haïtien. Maisonneuve. Voilà, tout à l'heure. Et nous avons une photo. Nous avons partagé la somme avec vous. Et sur. Moi, c'est une date sur Google. Edgar dit Maisonneuve. C'est nous qui avons Google sur le téléphone. Ça, yo. Téléphone qui a Google là. Et Edgar dit Maisonneuve. Justement, nous avons une tout à l'heure. Et il faut que nous tracions un exemple. Et nous avons dit ça clairement. Tout le monde qui parle de violence, il n'y a pas de violence. Gadi Maisonneuve là, nous devons tracer un exemple solé. Ça, c'est un. Deux, nous devons tracer un exemple définitif sous nèg sacrilé Bernard Saint-Ville là. Moi, j'ai besoin de 30 000 Haïtiens. 30 000 Haïtiens qui n'ont pas peur mourir, qui n'ont pas peur pour sang couler, mais qui n'ont pas peur tout, qui pour éradiquer criminels qui ont tué les gens qui ont la justice. Criminel qui prend la justice haïtienne en otage. Je dis à moi-même, je dis nous ça honnêtement. Pas de problème.
Nan yo met libéré mercenaire colombien yo. Pas de problème, met Ben à Saint-Ville. Ben à Saint-Ville ou met libéré mercenaire colombien. Pas vrai, pas de problème, petit garçon. Mais gon bon Dieu dans le ciel là, gen toutes les forces de la nature, kap juge, kap pren note pour nous, kap note pour nous et kap juge nous. Et me croit que le karma, li pa prend trop de temps pour que li rive sous nous. Toutes les forces de la nature utilisées, la chair humaine, peuple haïtien, chrétien vivant, peuple haïtien petit des salines, pour le faire utiliser manchette yo. Manchette yo qui sont bagay normal. Le peuple en danger, le peuple en difficulté. Et mais justement, yo utilisé manchette yo pour aider tête yo sur une situation qui est extrêmement difficile. Dans une situation qui ça nous capable les infra humaine. Ça que côté moun pas respecter la vie moun. Côté droit moun pas respecter. Côté des criminels notre comme Simdadjou a fini avec la vie chrétien vivant. Et mais justement, nous avons des possibilités pour que nous aider tête nous comme peuple. Et mais je dis à l'important pour que nous-mêmes, comme chrétiens vivants, qui voient que qui gens, des assassins, des gangsters, des kidnappers, des drug dealers, des assaillants, prennent le système judiciaire pays en otage. Ils prennent le système judiciaire pays en otage. Ils prennent le système judiciaire pays en otage. Moun sa yo pa gen l'autre possibilité, peuple haïtien. Nous pa gen l'autre possibilité, c'est fait exactement ça nous devons faire sur yo. Parce que c'est pas possible. Un président de la République, oui. Un chrétien vivant, oui. N'a que tout il en condition ça. Et puis pour la justice, c'est grave. Bon, m'expliquer, nous, on va bien. Tenez bien. Et faites attention, non, s'il vous plaît. Ça fait, ça va pas se poser étonné, non? Il va pas se poser comme si on a toujours étonné, non? Écoutez, la justice haïtienne, cabinet d'instruction, qu'on juge la donne qui était relé Jean-Roger Noël Seyus. Juge ça, c'est tes amis, André Michel, et sa cause m'a dit non. André Michel, je dis à nous, visa le coupé. Nous avons des bagages pour nous chercher, pour nous regarder avec André Michel, oui. Nous avons dit André Michel vive dans le pays, non? Honnêtement, non? Dis-nous ça. Jean-Roger Noël Seyus, Zami André Michel. Next, c'est eux-mêmes qui ont organisé pour monter complot pour libérer des assassins en dedans prison dans le pays d'Haïti. André Michel, c'était toujours avocat, tout criminel, tout assassin. Eh bien, peuple haïtien, M. Gagné, il y a une relation tête chargée avec M. André Michel. En 2019, et 2020 ou 2019, je crois, il y a un mandat qui fait. C'est André Michel qui prend trois tigres moun. Qui dit que yo t'habite zone la Saline. Li fait trois tigre moun sa yo vin témoigner devant juge dans cabinet d'instruction. Juge sa ki rele Jean-Roger Noël Seyus actuellement la cap vive au Canada. Eh bien, frère avec ça, trois tigre moun sa yo, André Michel met parole en bouche pour le faire vin dit que devant juge là, yo gen petit garçon yo gen petit fille yo, qui exactement dans la Saline nan, et que Jovenel Moïse, pardon, et que Jovenel Moïse, comme président de la République, voye assassiner petit yo, dans la Saline nan. Trois tigres moun, oui? Trois tigres moun, c'est autant de, comme si m'a dit, yo tant de parler de Jovenel Moïse. C'est un de yon tande yon président. C'est une photo ou ça. Mais toi, tu comme ça, avoue que Jovenel Moïse voye massacre petit yo. Assassine petit yo et fait massacre. La Saline boule tout kaimoun la Saline. Jovenel Moïse, tigamoun nan, André Michel prend tigamoun nan avec Tenel Kassi
avec Maître Mario Beauvoir et puis John Joel Joseph aller dans le cabinet d'instruction, le juge l'a fait prendre déclaration ça et puis il prend en main nèg Saboulos avec Dimitri Vop devoyer Bali et puis il fait un mandat d'amener contre Jovenel Moïse. Li bay adresse kay président dans Pèlerin 5 pour arrêter président paysan qui c'est président Jovenel Moïse. Et effectivement, frère avec Sem, kap tande nous, kap gade nous la sous plateforme Maman Pemba, qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa. Manda ça, li ta pral commencé poser, alors commencé frapper. C'était 7 février 2021 et c'est là tout le monde t'a pral wè a clair. C'est Dimitri Vop bien évidemment qui t'est payé pour faire mandat. C'est là tout le monde t'a pral wè à 100% que c'est la famille Vop et puis Boulos qui dé mandat. Là yo tellement pas gain cœur et tellement pas respecter ça que le président parce que yo gain tout président qui servi comme tuile comme reste avec. Yo pas gain respect pour institution même qui relé la présidence là. Dimitri Vop planifier complot assassinat coup d'état ça évidemment dans un village que gagné dans tabac dans deux ambassades américaine. Mais ça que pour nous souligner, Maître Mario Beauvoir écrit ambassade américaine pour faire ambassade américaine dans le pays d'Haïti connaît que yo gen mandat d'amener contre président de la République en fonction qui c'est Jovenel Moïse qui est pral exécuter. Si ambassadeur là ou du moins, l'ambassade américaine. Te baye une réponse, m'pa konnen. M'pa konnen si, gon réponse qui te baye. Si, te gen yon akize de réception qui te baye, m'pa konnen. M'pa konnen jusqu'à présent. Ok? M'pa konnen. Mais sauf que, lettre là était public. Lettre que yote écrit avec alors lettre que yote écrit ambassade américaine là, il était public, peuple haïtien. Eh bien, ça que nous devons connaître. Madame ça pour l'été rentrer en exécution, moun yote toujours utilisé yon blanc. Yo te gon blanc. Et c'est blanc ça, faut que nous toujours chercher blanc ça, faut que nous chercher non blanc pour nous font parler de lui. Et bien, on fait connait blanc ça te contacté Dimitri Era. Dimitri Era a vrai que blanc ça te contacté pour faire connait que faut qu'on aide nous prendre président. Aide nous jeune président dans village Petit Bois à Taba. Côté qu'on après mettre nous lit. Et puis ou même peut-être pas ou ap gen 4 millions de dollars américains en mort. Dimitri Era te discuté pour quoi blanc. Et bien après ça, vous fait réponse de vin by Dimitri Vop, Dimitri Era. Et que, bon, pas de problème, Kob, ou mette mon temps qu'on vle ya. La pour mettre tout li. Et bien, le sa Dimitri Era te pas de printemps pour te contacter patron, le boss, qui c'est El Michel et Matala. Pour faire Matéli par de ça qui a passé. Évidemment, Matéli était au courant de ça qui a passé. Matéli n'a pas de pas confortable là-dedans. Parce que Matéli n'a pas senti que, alors peut-être vraiment, il garantit à 100% que Jovenel Moïse n'a pas tourné sur la décision qu'il prend. Matéli n'a pas vraiment confortable dans le coup d'État et qu'il n'a pas rentré là-dedans. Il dit Dimitri Era non, n'a boycotté. Ou met dit Jovenel Moïse ça, pour M. Kawe que nous pour lui, et M. Kavin
comme si tu as dit, ouais que c'est nous-mêmes qui avons sauvé la ville et c'est nous-mêmes qui avons la sécurité. Hein? Non, mais nous, et nous qui avons la ville. Mais monsieur a trouvé dedans l'obligation pour que lui tourne sous décision qu'il prend, qui n'est pas en faveur moi-même comme Michel et Matala. Par exemple, décision couper contre gaz, décision couper contre courant et comme Dimitri Vob, décision référendum constitutionnel côté que monsieur a facilité diaspora haïtienne de participer dans la politique dans le pays. Mateli, tu as besoin monsieur tourner sous toute grosse décision ça yo. Rentrer une série de décrets que il te prend. Eh bien, en novembre 2020, Dimitri Era mette président Jovenel Moïse au courant de complot kap manigansé. Jovenel Moïse au courant, tout démarche kap fait yo, Dimitri Era continue, dit Jovenel Moïse ça. Et mais c'est le moment, Dimitri Era bezwen fon lot kòp pi red. Dimitri Era rele ti monsieur Villageo, li fè vin pran madame ni pou li, sous forme yon kidnapping, mais rele sa auto-kidnapping. Li fè al mette madame ni nan village de Dieu. Et puis Martine Moïse, comme maman bon cœur, qui voit que Dimitri Era sauvé la vie comme coup présidentiel, li mande Dimitri Era, comment dossier madame nan yon di yon kidnapping madame nan, qui sa ravisse yon di? Dimitri Era di, première, m'a ka fan yon. Parce que kop nègyo mande ya, m'a gen el. Dimitri Era ki son multimillionnaire, oui. Nan van zam, oui. Li di l'a yon kop lan. Redam nan mande, monsieur, combien kop ki yon mande? Monsieur di première, nègyo mande 350 000 dollars américains plus 300 000 dollars haïtiens. Ça veut dire que 1 500 000 goud. 350 000 dollars américains. Pour yon bali en US, et puis yon mande 1 500 000 goud qui c'est 300 dollars haïtiens. Mon sa kwase, Dimitri a mande 300 000 dollars haïtiens. C'est pour le bête, monsieur, 1 500 000 goud lan, et puis pour le même pour le café, 350 000 dollars américains. Évidemment, c'est que le fait. Première dame nan, qui c'est madame Martine Moïse, dit Dimitri, nous pas ka quitter la vie madame nan gaspiller pour 300 000 dollars. Rele Dimitri Era, le bel Dimitri Era, 350 000 dollars américains, plus 1 500 000 goud. Et puis quelques jours après, première dame n'a pas l'apprendre sur les réseaux sociaux, que madame n'a dit comme ça que, yon libéré, c'est sans yon goud. Pas gon goud qui baye, mais si yon pas maltraité, pas gon goud qui baye. Première dame n'a qui fait yon, qui va demander conseil, mais qu'elle demande Dimitri Era, eh bien, Dimitri a coup de cobla. Et madame nan di, yo libéré sans cob coup de cobla. Dimitri a vint trouver nan ti souliel. Ap MMMM. Eh bien, Martine Moïse, ti tout. Commencez pas de faire Dimitri a confiance. Jovenel Moïse, vint senti gon piège. Maintenant, yo avancé. Je viens réfléchir avec ça Dimitri Vob, Dimitri a fait pour yo sauver la vie dans coup d'état 7 février 2021. Jovenel Moïse continue à fonctionner avec Dimitri Era. Mais Jovenel Moïse comme président de la République fait plusieurs tentatives pour le voyer Dimitri Era aller dans palais pour retirer monsieur dans tête et UGPN. Mateli fait monsieur tourner dans palais. Et c'est comme si m'a dit Jovenel Moïse pas de chef. Parce que Mateli besoin de yeux, besoin de tout ça Jovenel Moïse a dit, toute position Jovenel Moïse, toute déclaration Jovenel Moïse. Parce que citoyen qui chauffe président Jovenel Moïse là avec nèg qui à droite là, sécurité yo. Tout ça Jovenel Moïse parler dans téléphone dans machine là. Il rapporté Dimitri Ral et puis Dimitri a contacté le boss qui c'est Elmitier Le Matala. Tout ça, Jovenel Moïse a discuté dans le téléphone avec un monde. Pendant que la machine avec le chauffeur, soit qu'il va côté en province, eh bien, Mateli au courant de tout. Mateli au courant de tout. Et Mateli, un ami qui est bon côté président Jovenel Moïse, qui pas trahi Mateli
pour Jovenel Moïse, qui est le Rodi Célestin. Nous allons tourner sur lui. Les amis, ça est le Rodi Célestin. Évidemment, peuple haïtien, pour avancer, avec toujours mandat, que la justice haïtienne te baille pour l'arrêter président en fonction, qui est président Jovenel Moïse, et bien pour faire nous tendre des déclarations de Reginald Boulos, parce qu'il est important pour nous tendre de Reginald Boulos. Peuple haïtien, je ne vais pas mentir. Complot vient passer évidemment. Gens que nous connaissons sur le passé. Mais attendez bien. Ça pas traité là. Parce que monsieur yo, ça a dans tête yo, c'est exécuter Jovenel Moïse. Parce que maintenant, il vient à 100%, Jovenel Moïse, pas tourner sous décision liée. Décision qu'il prend pour que il fait référendum constitutionnel pour faciliter la diaspora haïtienne participer dans l'élection normalement comme si et normalement dans le pays parce que à travers la constitution ça diaspora t'a pas le droit normalement. Ensuite Jovenel Moïse bail des charges avec tout ministre qui était engagé l'état sorti 2000 pour arriver 2015 et mais parmi ministre ça yo Laurent Salvador Lamotte bénéficiait des charges tout. Laurent Salvador Lamotte bénéficiait des charges. Parmi ministres, ça y est. Eh bien, frère, avec ça, c'était Lamotte qui problème non pour Matéli. Le Lamotte bénéficiait des charges. Équipe Matéli a gagné toute qualité problème qui était qu'à exister. Et que vous dit Matéli, est-ce que ou pas gen, est-ce que vous parlez dans yeux? Est-ce que vous parlez Jovenel Moïse s'est préparé la préparé la mort pour une candidat en face ou parce que Jovenel Moïse pas décidé pour faire type passe coute là ba ou Matéli. C'était évidemment déclaration incapable dit nous équipe Gangalila qui nan do patron yo qui c'est Michel Joseph Matéli nous pral faire ou tande déclaration Reginald Boulos tout à comme ça n'a chercher le bout pour nous prendre pour nous mettre le bout le la mode gagne des charges pour tout bon. Et bien, ça qui passe, il y a une panique totale dans l'équipe Matélia. Parce que Laurent Lamotte, il a jugé que son gros candidat que mis à pied. Si M. Tavavin candidat, monsieur capable bay Matéli en pile problème à travers les élections et Jovenel Moïse a supporté monsieur parce que la mode ça que fait nèg yo gétan facile pour identifier la mode comme moun que Jovenel Moïse a supporté c'est parce que en énergie nèg yo dit c'est Laurent la mode qui fait Jovenel Moïse couper contrat Dimitri Vobla parce que la mode te mettait en question contrat Dimitri Vob qui était dans l'état la sogénère. Est-ce que nous là vous voulez nous comprendre? Côté tout à l'heure, bam courir chercher ça pour nous. Et que. Parce que c'est intéressant. Il est intéressant pour nous gagner ça ensemble avec. Et.
déclaration originale Bolos là la important pour nous pour nous partager l'ensemble avec monsieur que on content gagner déclaration ça parce que Reginald Bolos son gros palto son gros baron son gros babine et gagner Reginald Bolos et non à travers déclaration là parce que nous gagne des informations que nous pour partager ensemble avec vous et faut que nous faire joindre et attendez ça Bolos t'a dit dans interview hein? Évidemment on va aller gagner lui ensemble avec nous et déclaration originale de Bolos voilà nous va le gagner lui original Bolos fait y parler et nous va le gagner lui voilà nous va le gagner déclaration originale Bolos là tout à l'heure mais évidemment voilà. Nous pouvons attendre Reginald Bolos ensemble avec les Haïtiens. Et puis, nous avons des commentaires. Ça que fait venir avec Reginald Bolos là pour nous, c'est suite avec ça que nous avons décidé de faire avec Colombien dans le pays d'Haïti. Libérer Colombien. Entre temps, avant que nous attendions Reginald Bolos, même cour représenter nous moyen Haïti qui pote produit ça qui connaît un problème bande cap crasé et diaspora haïtienne là et li important pour que nous partager produit ça ensemble avec vous que Moringa Haïti pote pour nous parce que si ou fatigué problème bande endurance li pa yon critique d'accord li pa yon critique parce que c'est normal li fait partie de ça en aller gen bande ultra. Gaiman Ultra, c'est un tout nouveau produit qui sort dans le laboratoire. Il est là pour combattre ça et les dysfonctionnements érectiles, ça veut dire pas camper du tout. Il y a 15 capsules là-dedans. Il est fait pour prendre une capsule 30 minutes avant de faire bagarre. Yo il est ça, un dynamogène action rapide. Pas oublier qu'il est remplacé 3 produits Gaiman parce qu'il est plus puissant. Voilà, il est plus puissant évidemment vrai, il c'est Gaiman Ultra. Et produit ça, il est facile pour capable de gagner lui. Il est facile pour gagner produit ça en possession. Ou a juste fait plus 1 514 886 97 76. Plus 1 514 886 97 76, ou a juste fait ça et puis ou a gagné évidemment et ou a gagné m'a prêté dans 4 discussions. T'as l'heure. Voilà, nous allons gagner Reginald Bolos là. OK. Nous allons gagner Reginald Bolos là. Oui, où t'es dit. OK. Nous allons commencer avec Reginald Bolos là, voilà. Et assassinat ça a pas mené pays. Très bien. Nous allons commencer avec Reginald Bolos. Les faits ont montré que T'as le. Reginald Bolos. Très bien. Comme la garçon. Avant que vous tendez Reginald Bolos, ça que m'a dit. Bolos te dit, yon combat, rit yon combat, Reginald Bolos pas contre perdre bataille. Li boule pays, il crase pays, et puis il paye l'argent pour venir touye président. Deux jours avant, livrer troupe, commando al touye président, li kouye quitte pays. Nous devons connaître ça. Les couilles de pays. Je dis à en nous tendez Bolos qui te gen chance courir sorti tête dans trou li pour venir faire parler ça. Entendez là avec un pile attention pendant que nous va commenter ensemble avec ça qui dit. Reginald Bolos. La brutal la caille pour président Moïse, assassinat président Moïse la caille dans des conditions mais vraiment est terrible. Vous êtes qualifié criminel de crime odieux. Mais dans la famille politique, M. Moïse, il y a des gens clairement qui disent que l'on doit être comme auteur ou un commanditaire et crime ça. Moi, j'entends des commentaires faits sur ça. Vous voulez faire un commentaire sur ça ou pas, M. Bolos? Oh oui, non, je vais faire un commentaire sur ça. D'abord, je vais dire que je suis condamné de toute force. Assassinat odieux qui fait contre
président Jovenel Moïse. Assassinat ça a pas mené pays à Pibouin, non, tout ouais que assassinat ça a mené pays à Natchouboum. Yes, son assassinat qui fait quoi contre un haïtien, son assassinat qui fait comme un président de la République, son assassinat qui fait la Kaili de manière brutale, non pas jamais, parce que Réginald Boulos, MDV Haïti, yon n'a pas toujours condamné, c'est la violence. Non pas choisi prendre la violence, l'on a décidé de faire combat politique pour changer le système là. Nous te mettons en place yon, publiquement un instrument politique. Nous te mettons comme dehors. Donc, je ne crois pas que Réginald Boulos n'a jamais fait violence. Mais bon, je vous Benson. Je dois faire 10 ans, je dis que je ne suis pour moi, de loin ou de près, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans sa Rivea le 7 juillet, et que je condamné fortement. Son assassinat qui est triste pour le pays. Très triste pour le pays. Vous baissez comme vous pouvez. Mais nous devons faire ça. Allez, venez bouchou. Volé, criminel, Syrien, Libanais, gang. Vous faites toute année à plaider. Vous avez 16 mois de vous avez des gens qui vous protègent. 16 mois, 4 jours après, vous avez des gens qui décident pour libérer Colombie. Colombie, vous avez payé pour venir tout le président pour vous. Vous avez continué à plaider. Même qu'on est. La nature a jugé. Il a noté. Comme je ne sais pas garder. Les saints, les morts, tu as gardé. Il a pris note. Et moi, je crois que Jovenel Moïse, alors vivant, parmi nous-mêmes, Cap Gomeyo, vous le stand tout pas où. Ou pas être en pile pour vivre. On a les bébés ici. Année m'a dit que ça m'a gagné moi là-dedans. Pourquoi ça me souhaitait, Robinson? Je souhaitais que quitter la justice le travail. Je souhaitais que la lumière soit faite totalement sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que c'est seul ça qui, par rapport au fait que je suis adversaire politique, ce qui n'a pas fait sens, parce que je suis un petit bagage. C'est pendant la campagne Donald Trump, l'on a frappé Hillary Clinton matin, midi, soir, il a assassiné Hillary Clinton. Vous pensez que dit c'est Donald Trump qui tue Hillary Clinton? Donc, voilà que je suis un adversaire politique, mais je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un violent, et puis parce que je suis adversaire politique, c'est moins Kouta et Kazel. Ça ne fait aucun sens. Mais je... Boulos, doux quand on mouton, je ne suis pas un violent. Qui Boulos qui n'est pas violent, monsieur? Boulos qui a mis tout crime, tout si vagabond, tout si assassin, en dedans Cité Soleil pour tout le monde. Moi, je pense que j'ai une tentative de choukai qui va le faire dans dile machine Boulos là auto plaza en face Pelé Simon rapide Boulos rele ti monsieur Simon yo monsieur ti monsieur débarque monsieur ti monsieur vide balle sur monde sans camper c'est dans mi temps kafou Simon original Boulos mon nou touye dans pays ça ti Gabriel chef gangou mon nou touye dans pays ça ou vin touye président jodi là et pour vin vivre dans pays à Boulos ou gen moun ka protéger on avance mes pays tout ce que je disais attends moi les jours reviens sur ce que je disais je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président Jovenel, que les coupables soient identifiés publiquement, soient jugés, soient reconnus coupables et soient punis. C'est ça que je veux, parce que c'est seul ça qui peut permettre de lever tête et de dire, messieurs, nous avons dit non, je ne vais pas dans le ça. Donc, et en quête ça, je me suis senti la piétiner et je me suis souhaité que gouvernement, m'ta souhaité que international yo qui arrêté certains monde et qui étrangement m'ta dit m'bra le petit mot là qu'il faut étrangement dit que tout ça va présenter un tribunal faut le rester caché mais même faut que bagay yo rete ouvri pour peuple haïtien connaît exactement ça qui passé cette juillet faut que tout ça qu'a fait là le fait dans la transparence pour que peuple haïtien connaît exactement ça qui fait contre assassinat odieux triste à la limite néfaste pour ce pays. Pour le pays. Maintenant, aucun rapport, aucune interaction avec M. Jean, M. Andal, Dr. Sanon ou Mme Koch, à aucun moment de la durée ou par personne monde que c'est dans la justice haïtienne ou bien FBI qui était souhaité parler avec vous, tant qu'on personne of interest ou bien tant qu'on témoin qui t'a peut-être aidé, éclairé dans l'investigation ou pas, Dr. Boulos? Je n'ai jamais reçu une invitation FBI, je n'ai jamais entendu de parler de FBI. Je ne connais pas Mme Koch. Je ne connais pas et Dr. Sanon. Stop! Libanais criminel. Vous le dites par contre Mme Koch. Ou par contre Dr. Sanon.
Emmanuel Christian ça non avoué dans le CPJ et que il rencontre plusieurs représentants avant, il connaît pas la voix, il écoute correspondance, il connaît pas la voix. Qu'on a plaidé de pas connaître ça non. Les criminels gang, on avance. Je ne connais pas les noms que tu as cités ici. Je ne les ai jamais rencontrés. Monsieur Jarre. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas Monsieur Jarre. Je ne connais pas Monsieur Andal. Je ne les ai jamais rencontrés dans ma vie. Je n'ai jamais participé. Je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je me dis non, Docteur Sanon, c'est l'heure. Il a arrêté Docteur Sanon. Je suis content de non, Samir Andal. Même pas jamais rencontré. Je ne sais pas qui m'a lié. Et d'après ça, je comprends la justice en Turquie se prend décision pour lui. Mes parents, j'ai rencontré Monsieur Jean, parce que grand pile Jean en Haïti. Pas oublier, c'est non, mais un groupe Jean que m'a acheté Nissan, mais ça n'a pas gagné pour avec Monsieur Jean Sarr, qui était déjà démêlé dans le temps avec la justice américaine. Ça parle de Monsieur Rodolphe Jean. Je ne connais pas Monsieur Rodolphe Jean. Okay. Je ne connais pas Madame Koch. Je ne connais pas M. Samir Andal, je ne connais pas Docteur Sanon. Okay. Bah, j'aime rencontrer. Maintenant, bah, j'aime parler avec le téléphone. Maintenant, il y a des gens qui analysent les événements du 7 et juillet et les événements qui s'en sont suivis par rapport à la prise du pouvoir. Donc, au coup d'État, il y a des gens qui disent clairement que l'alliance constituée pour occuper le pouvoir aux côtés de M. Henry après l'assassinat du président sont les bénéficiaires d'un coup d'État. Il y a des gens qui ont lecture ça. Et nous prenons une lecture par ou même par rapport à ça. Oui, vous avez dit au lendemain du 7 juillet. Reprenez-vous, s'il vous plaît, parce que nous avons oui, dit qu'au lendemain du 7 juillet, nous retrouvons tête non dans un vide constitutionnel. Et de ce fait, nous sommes obligés de chercher une solution. Ou pas qu'à quitter ton pays dans l'anarchie. Ou pas qu'à quitter ton pays dans le vide. Et il n'y avait pas forcément une solution de remplacement. Qui était bien préciser et qui était capable. Est-ce que. Moi, j'ai dit que c'était un crime qui dit au patent bien. Est-ce que nous avons vérifié? Non, très bien. Bien? Oui, très bien. Okay, très bien. D'accord, ouais. Très bien. Mm-hmm. OK. Maintenant, dis-nous. Et nous, au contraire, comme homme politique, nos obligations, nous, c'était le choix entre le moindre mal et le chaos total. Soit nous allons dans le moindre mal, soit nous allons dans le chaos total. Et le moindre mal, nous avons une discussion, nous avons un premier ministre qui était démissionnaire en fonction, nous avons un premier ministre qui était nommé, mais pas installé. Donc, il fallait trouver, il fallait être créatif, fondé une solution qui te permette que rapidement, le pays a pas dégringolé dans le chaos. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, très rapidement, MTV, t'es rentré dans une série de dialogues avec toute entité politique, nous te parlons avec Dr. Claude Joseph, nous te parlons avec Dr. Ariel Henry, nous parlons avec les leaders politiques, que ce soit les leaders politiques proches du pouvoir, PHTK et autres, ou bien les leaders politiques dans l'opposition, SDP, Fusion, Haïti en Action, autres. Et puis nous te dit, on cherche une solution qui est bonne pour le pays. Et quoique, quelque part, nous te réfléchi que à cette époque, que le premier ministre nommé, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse, faut nous te respecter. Et c'était moi-même personnellement qui t'ai dit, monsieur, écoutez, la dernière volonté du président Jovenel Moïse, c'était mettre Ariel Henry comme premier ministre. Mm-hmm. On respectait la dernière volonté. Quittez un petit dernier jour. Quittez position sous oui. Fin mandat président 2021. Mm-hmm. Bon, nous connaissons que moi-même, j'ai toujours pensé que mandat président était fini en février 2021. Pensez, Boulos dit oui. Il te pensé que. Ou dépenser l'argent pour faire coup d'État 7 février 2021. Ou dépenser l'argent pour nous tourner président 7 février 2021 tellement nous besoin de pouvoir. Nous dit Jovenel Moïse, mandat fini. Nous boulons pays, nous créons pays, nous l'opé, nous faisons toute qualité, c'est malhonnête. Ça ne vient pas suffire, nous tourner le 7 juillet, même 2021, ça. Parce que Jovenel Moïse, tu l'as gagné, nous tout. Et si moi, je t'ai foutu nous tout. Nous pas capable vivre, nous pas plus fort que l'État. Bois nous pas plus long que l'État. Même si nous avons l'argent payé dans nous, mais bois nous pas plus long que l'État. C'est l'État qui a le monopole de la violence légitime dans nous. Et ça cause nous toujours battre pour nous contrôler l'État. Pour nous faire violence au peuple là. Moi, je dis pays ça qui est pour le chef d'État. Pays ça qui est pour le chef d'État. Qui est prêt pour garder tout le monde dans les yeux. Qui est au-dessus de tout soupçon. Qui n'est pas dans le volant, qui n'est pas dans le gang, qui n'est pas dans l'assassinat. Qui n'est pas dans rien qui louche.
pays a gagné. Il y a ici qui comme ça. Il y a la diaspora, il y a Haïti tout. Il y a le monde en général. Moun sa yo, il a prend tête pays d'Haïti en le et définitivement il a tracé exemple sur nous comme des Syriens, Libanais criminels qui deviennent pays d'Otouni, piaté qui pas de good. Mais je veux dire qu'il y a toute richesse pays dans mais yo parce qu'il y a des corrompus dans politique qui banol. On avance dans des coups criminels là. C'est un débat que nous avons fait. Mais à la fin, vous devez respecter volonté. Non, c'est pour souligner comment ou même ou par rapport à ça, vous avez évolué. Écoutez, c'était quand même un président en fonction. Bon, je vous dis bagaille. C'est un débat sérieux sur la question ça. Si le président Jovenel n'a pas voué le Parlement aller, et le président Jovenel a cherché un accord dans ça que tu as cherché, parce que c'est une grosse discussion soit fait mandat ça, début mandat et autres. On aurait pu trouver une solution côté que mandat président Jovenel finit 7 février 2022. Le problème, c'est que président Jovenel tire un balle dans pied, le voué parlement aller. Donc, ça veut dire que lui prend une mesure pour un groupe monde, et puis une mesure, ça n'a pas appliqué à moi-même. Okay? Mais maintenant, la réalité, c'est que le 7 juillet 2021, le président Jovenel était un président en exercice. On peut avoir une différence, donc, avec une grosse différence d'opinion. Sous est-ce que c'est lui qui poutait là le ça, est-ce que pas de gagner élection d'abord, est-ce que lui pas en haut t'as sous toute sa crise fait yo? Et il faut dire aussi que nous pas jamais gagner une solution de remplacement. Okay. Mais donc, on quoi, il fallait respecter sa dernière volonté politique. Donc nous rentrer dans en tant que président en fonction, il fallait respecter dernière volonté et nous encourager que bon rassemblement qui fait autour de Premier ministre Ariel Henry. Mais m'a signalé trois bagailles pour nous. Premièrement, le signe accord 11 septembre qui vient d'a dit entre guillemets légitimer président Ariel Henry Premier ministre et forme du que nous pas signé le 11 septembre. Nous signons le 12 septembre. Et nous signons le 12 septembre parce que nous t'ai voulu marquer que nous pas senti que accord suffisant. Et nous avons remis le 12 septembre une lettre au Premier ministre Ariel Henry pour nous dire, nous avons signé l'accord, mais pour nous dire nos bagailles. L'accord est important, il est essentiel, il est nécessaire, mais pas suffisant. Et deuxième bagaille nous dit, c'est que, et m'appelle pour vous, dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement l'élargissement accord ça, ainsi à tous les acteurs politiques, pour que nous joignions un apport inclusif qui portait la paix, qui portait la prospérité, qui portait la sécurité dans le pays. C'est comme si nous étions loin. Le 12 septembre, nous écrit ça, nous lettre, nous remettons par le Premier ministre là. OK? Deuxièmement. Mais de fait, pardonnez-moi que je m'interrompe, mais de fait, et plus de 6 à 8 mois après, l'État est parti. L'arrêté dans l'Alliance là et l'Alliance là continue à gouverner et avec résultat que l'on voit, qui vous associe clairement à ce résultat que certains monde qualifie carrément de catastrophique et de désastreux. Bon, écoutez, moi je ne peux pas accepter qu'on dise que y associé, non, nous n'occupons pas de poste politique dans ce gouvernement. Qui poste nous occupons? Attendez, nous pas occupé poste politique. Maintenant, bon, si la presse voulait faire travail, il y a besoin de 4 documents que nous écrit pour les ministres. 15 jours après le 12 septembre, nous avons écrit une lettre ouverte au Premier ministre Ariel Henry. Nous dit Premier ministre, là, il y a 4 dossiers que nous pensons qui est essentiel aujourd'hui. Yon, c'est toujours la recherche d'un accord inclusif large. Nous faisons un paragraphe entier sur l'aspect large. Nous faisons des rencontres avec le groupe Montana nous-mêmes. Nous faisons rencontres avec PEN. Nous faisons rencontres avec le groupe et l'autre groupe politique. Deuxième aspect, c'est la sécurité. Le 27 septembre 2021, 15 jours après la signature, nous exprimons dans la lettre notre inquiétude du fait que nous ne pouvons pas avoir rien qui prend en place. Troisième dossier, c'est comment on va préparer les élections, l'audit de la carte dermalogue, la mise en place du CEP avec la participation de tous. Et quatrièmement, songez à l'époque, ça, c'est un problème migratoire avec la République dominicaine, dans la lettre ça, 27 septembre. Nous écrit encore fin octobre, nous évoquer notre participation, disons notre réticence, notre inquiétude. Maintenant, bonjour, la nature a horreur du vide. Ce serait irresponsable pour que MDV lever, moi en pile mon abou et monter,
et puis pour nous dire bon, nous quitter accord. Et puis quoi? Et puis quoi? Non, au contraire, plutôt nous t'es là, nous mal à l'aise, forme nous personnellement, et tout à l'heure, on va parler de ça, personnellement, moi très mal à l'aise, que Réginald Boulos, qui t'a fait une lutte avec MDV contre le pouvoir et la structure sous la présidence de Jovenel Moïse, se trouve aujourd'hui attaché à une table qui ne donne pas de, qui pas de résultat. Et mais évoquer division qui en MDV sous ça. Parce que, au contraire, ça privé, messieurs, moi, je vous montre fort. Dans l'anthropologie haïtienne, il faut qu'on ait qu'il y a un phénomène de la précarité. Et la précarité amène des actions, peut-être que sans précarité, action ne va pas faire. Et nous conscient de ça, nous ne pas souffrir de précarité. Même pas qu'à attendre à ce que tout militant MDV Haïti pas souffrir de. Nous avons souhaité ça. C'est mon rêve. Mon rêve de prospérité. Ça veut dire. Ça veut dire que c'est précarité ça qui fait nous accepter pour un poste en de pouvoir? Non, tant de main. Bon, préciser pour vous. Bon, précision, bah, important pour vous. S'il vous plaît. Et d'abord, lorsque nous avions rencontré le Premier ministre au cours de l'accord, MTV était précisé que nous ne sommes pas dans un partage de gâteau. Nous voulons un partage de responsabilité. Nous pas dans un partage gâteau. Nous voulons partager responsabilité pour nous montrer si MTV était au pouvoir, qui ça le cas fait. Ça, c'est le premier sangadou. Deuxièmement, si vous remarquez, le poste dont tu voulais mentionner que nous avons un gouvernement, poste au Fatma, est arrivé le 28 février. Mm-hmm. 28 février, 5 mois plus tard. Et je vais préciser une chose publiquement aujourd'hui. Lorsque le Premier ministre a rencontré le docteur Carl François, parce que le Premier ministre n'a pas jamais parlé avec de on a fait de poste au Fatma. Ça va jamais pas la veine, ok? Il a rencontré le docteur Carl François, vice-président du parti MDV Haïti, et à ce moment, il a dit, je veux préciser que c'est pas un poste ma ba MDV, son poste ma ba un cadre compétent de MDV. Et effectivement, MDV est très fier que le dans la Kaili, en pile docteur, en pile avocat, en pile ingénieur, en pile population, okay. En pile militant. Même ça qui fait pour faire mon sa yo, c'est niveau audacieux. Et parce que yo audacieux en pile, les ap volo. Et comme si yo fier, yo développe des stratégies pour yo volo. Et comme si m'da djou, yap souri avoué, puis yap finou. Ok? Et c'est des chiens, moi d'entraide que yo yé. Et yap détrompé yi, et puis yap ri avou. Yap prend tout reste avec vin manje avec vin boy avec yo. Et puis yap force yon se de bagay pour détrompé yi ya. Yo gon audace enragé la kayo et c'est chaque grain nan yo comme ça. OK? Et yo tout qui comme ça même, il fonctionner comme ça. Tande des gens boulos a parler, c'est pas extraordinaire men. Entendez le toujours non parce que nous gagne des points que nous va le faire. Ben attends. Précarité. Laisse-moi finir. Vous évoquez précarité. S'il vous plaît. Donne-moi une minute. Allez-y. OK, s'il te plaît. OK. Et forme faire effort pour me pas parce que docteur m'a dit pour ne pas prendre stress, pour ne pas faire trop d'efforts, et nous allons parler de ça tout à l'heure. Président, bon, nous n'avons pas de problème de que Dr. Carl François, parce que nous connaissons compétences de Dr. Carl François. Et nous encourager que Dr. Carl François, je dis, en tant qu'un cadre MTV, il fait ça pour le faire, pour mettre réforme dans le Fatma, pour le montrer, jouer MTV est arrivé au pouvoir, mais qualité réforme nous a fait. Nous encourager dans ce sens-là, même pas, nous pas jamais rien de dialogue avec Dr. Carl François sous gestion li, son est capturé en tant que cadre, okay. Le cadre de MTV auquel on docteur, a offert. Docteur Boulos, parti ou la MTV, oui. Li toujours parti de accord en septembre, non? Et m'a répondu nous par la positive, mais m'a qualifié okay. Positive. Ok, attends. Ariel n'est pas maître de l'accord. Ou pas qu'à lever, écoutez, un homme politique sérieux, responsable. Est-ce qu'on pense qu'à lever matin et puis me dit bon, il faut Ariel aller jeudi à là, et puis quoi? Il n'y a aucune solution constitutionnelle. En fait, Ariel bénéficie malheureusement de ça. Par contre, sous Jovenel Moïse, stop. On va être la parole dans le pays. Mais par conséquent, Jovenel Moïse, qui était élu démocratiquement, nous avons tellement besoin d'aller à tout prix, il fait être raide, nous assassiner. Et je dis à Ariel Henry, nous-mêmes comme personnes responsables, nous ne pouvons pas demander à Ariel Henry pour aller. Là, nous faisons tout le président, nous calons les cônes. Nous faisons Chelbe. Parce que la justice haïtienne n'a pas plein maintenant.
Yo fè ça ne vle. Si te gen la justice Boulos, t'ap gen de réponse sou Boulos. T'ap gen de réponse sou? Ou pa t'ap gen puissance sa nan pays d'Haïti encore non? Puissance défaut la t'ap baissé complètement ou bien t'ap disparaître? Si te gen la justice qui t'ap fait travail li. Si c'est pas Bernard Saint-Ville qui était là toujours comme juge des référés, comme doyen tribunal tribunal de Port-au-Prince là. Si c'est pas resté avec ça ou gnou gè là, on garantit Boulos ou pas t'ap calé ko jon calé ko là. On avance peuple haïtien. Qui a mis ce vide constitutionnel dans le pays? Qui a créé ce vide constitutionnel dans le pays? Alors en classe tout ça. Donc bon vide constitutionnel dans le pays. Non, les acteurs politiques. Eh bien, d'accord. Amen. Mais les acteurs politiques aujourd'hui, oui. Acteurs politiques aujourd'hui, il faut constater l'échec de l'accord du 11 septembre. Eh bien. On doit constater cet échec. Eh bien. On doit s'asseoir et élargir le dialogue. Et c'est ce que nous prenons dans au moins 4 ou 5. Mais pardonnez-moi, M. Godon, quittez mon tigeant en béto. Quittez mon tigeant en béto. Et docteur Boulos, le médecin, docteur Boulos, l'homme d'affaires qui a géré une entreprise, oui. L'elle dit côté état financier, moi, côté profit, moi, puis le conseil de bagaille, le dashboard, il a dit, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, il faut des décisions. Si l'on gère Haïti comme une entreprise, nous ne sommes pas en train de parler d'individus, effectivement, ou des raisons, leur dit, très souvent, historiquement, on réduit des problèmes systémique à des individus, mais les individus aussi construisent les systèmes, sont pas des systèmes. Faut mettre une nuance ça. Mais l'on regarde des résultats. Yo, si nous, une équipe football, capitaine, n'a pas qu'à ben résultat, mais donc ces deux joueurs cliquent pas qu'à ben résultat, et par rapport à la population, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions. Et oui, sous une entreprise qui a coulé dans mon docteur Boulos, le sort fait. Ou sort d'un bagage. Non, ça c'est pas important. Oui. Ou dit 600 entreprises moi m'a privé devant board moi et m'a non, ou a gagné dashboard ou oui, non, a gagné dashboard fait. Ou a gagné tout élément yo, a gagné état financier ou a gagné tout document financier pour gagner pour faire analyse situation entreprise. OK. OK, mon fils dit me quitte me parler. Oui, s'il vous plaît, pardonnez-moi, excusez-moi. OK, d'accord. OK, d'accord. Ou même content qu'on parle de board là parce que côté c'est-à-dire entreprise, il y a un groupe dans tête li qui l'a en arrière pour que lorsque le directeur général ou bien mon cap géré pas de résultat, il y a comme qui savent le faire. Notre board dans ce pays, c'est le Parlement haïtien. On l'a éliminé. Donc, quand on a éliminé ce board que nous avons dans notre pays, parce qu'effectivement, on est très clair, vous pensez que tu as un Parlement fonctionnel et que tu as des décisions que tu as déjà prises, longtemps tu as des décisions que tu as prises. Vous comprenez? Par contre, et je dis à Bord là, vous connaissez qui mon bord là est? Les signataires de l'accord avec, mais les signataires de l'accord avec les autres entités politiques du pays. Il est temps que vous chita ensemble comme au bord pour dire mes résultats nous joignent pendant 12 mois, qui décision a fait? C'est ça m'a demandé. Bon, vous connaissez qui dit, mais comment voulez-vous que des éléments de la société politique et des acteurs politiques dans l'action ou les actions nous ont conduit à cette situation, que nous calaguer dans mais la solution à ce problème, c'est se tirer une balle dans la tête. Gen moun ki ka arrive nan réflexion ça avec ou tout là. Et puis qui vous dit clairement jodia, et c'est la question ça me balle avancer avec ou tout à l'heure docteur Boulos, pour que les autres sociétés qui gagnent dans le corps social là, la bunta dit société politique là comme libéral compétitrice dans l'élection, à nous créer un play field pour y avec les règles qui lui respecter et puis qu'on y a pour nous créer conditions pour que nous allons devant souverain que c'est la population. Et là, nous avons l'impression autant tant et aussi longtemps que pouvoir nommer des politiques qui prennent compétiteurs et qui besoin appareil l'État pour refaire une santé économique, je ne parle de précarité là, qui besoin des leviers du pouvoir, non, mais yo, il y a les germes de prochaines contestations électorales, quel que soit l'un a fait élection là, dans l'état actuel des choses. Donc, on appelle à la société, à d'autres sociétés, dans le compartiment, yo, si tant existe, si tant y a sorti de torpeur, yo, pour nous avancer à payer, parce que là, tout le monde cache des petits doigts. Oh, et on va prêcher en convaincu. Excepté que on a assisté au cours des dernières années, qui ça nous est. C'est la déchéance des institutions. Contre secteur privé, contre forum économique secteur privé, l'écrasé. Contre l'église catholique, là elle sortit ses dépositions qui pas même bien force. Contre l'église protestante, où sont les acteurs de la société civile? Même les institutions de droits de l'homme aujourd'hui, il y a sous eux et autres.
Donc, en fait, nous avons assisté à une déchéance des institutions du pays. Et c'est pour ça que, encore une fois, m'a répété peut-être moins, le maximum, les signataires de l'accord du 11 septembre, je fais appel à mes adversaires politiques de demain, mais aujourd'hui à mes collègues politiques d'aujourd'hui, pour que yo ouvri dialogue-là, pour nous capables de chercher toute société civile-là, pour nous chercher un accord qui pour décider sur le départ ou le maintien d'Ariel Henry et sur la manière de gouverner. Mais ce n'est pas seulement la manière de gouverner, sur les actions que nous prenons. Action nous prenons pour nous retirer le peuple en bas, kidnapping. Action nous prenons pour nous capables de réduire la gote qui a fait dans le gouvernement, qui a fait que je dis à goût de la 750 gouttes. Il faut nous ouvrir sur l'autre acteur, tant que société civile, secteur privé, secteur religieux. Mais il faut appel à secteur privé, non. Que nous devons être fort. Mais je dis à vous, pas là encore. Donc, vous avez raison. Mais on a une déchéance totale et il faut partir de quelque chose. Et tu sais, c'est quoi ce quelque chose? C'est exactement les signataires de l'accord. Mmh. Quelque part, bravo au petit bagaille qui est ironique. Les signataires de l'accord ont donné une légitimité à Ariel Henry il y a un an. Aujourd'hui, Ariel Henry a donné une légitimité à ses signataires. Et signataires, ça, je dis à ta supposée, prendre lieu, aller joindre Montana, aller joindre Penn, aller joindre Jovenel Michaud, aller joindre Lavalat, aller joindre l'Église, aller joindre le secteur religieux, aller joindre le secteur privé, aller joindre les associations patronales, les associations professionnelles, aller joindre les régions du pays, en mettant-nous ensemble et en formuler une sortie de plus réelle. Nous avons débattu ça. Le côté principal, élection. Parce que MTV, c'est une élection. Ok. Nous avons d'explications ça, M. Boulos. Les abrivés sur nous là, parce qu'il faut aller entrer dans l'éditorial là. Nous avons posé une ou deux questions encore avant nos libéraux. Nous avons peut-être avec un peu l'attention d'aller à l'âge, de façon caricaturée, au lever des mots, là, au besoin, président Jovenel Moïse, juin justice, pour que doit qui longe sous le haut, capable ou pas t'impliquer là-dedans. T'as bien, oui, famille mieux, t'as bien. Là, on a parlé de dossier assassinat Jovenel Moïse, qui sont président de la République, qui en fonction, qui n'est assassiné. Et c'est la justice haïtienne qui a un mandat pour aller tout le président de la CAELI. Et juge l'anté bail n'est pas adresse CAE président, n'a pas le renseigné dans tel numéro. Ok, il a tout le président. Évidemment, n'est pas avec mandat ouvré. Il a exécuté président le 6 pour le 7 juillet 2021. C'est ça que nous parlé là. Entendez, Boulos, comme nous n'avons patron, comme nous n'avons baron, qui dépense gros corps pour tout le président. Entendez ça bien, papa ici. Petite explication sur parti ça. Madame président Jovenel Moïse, Martine Moïse et petite Lio constitué en partie civile contre docteur Ariel Henry au longé doit être sous lui, il dit qu'il y a implication dans assassinat et président et Jovenel Moïse. Comment se fait-il ouvrir justice comme ça et puis partout là ou même nous a pactiser toujours avec Ariel Henry. Qui te pose question en concert pour qu'a jeune explication. Non, madame pour tout non juge. Non. Non, mais écoutez, quelqu'un fait une action, ça ne veut pas dire qu'il a raison forcément. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Il faut laisser à la justice faire son œuvre. C'est exactement ça nous parlait. Bon, Abdou, il y a un monde qui fait une action, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Et qui est la justice qui la justice qui va faire travailler? La justice, c'est des bons mandats pour payer gros corps pour aller chercher Colombien pour aller tout le président. La justice, ça, moi, je crois que Martin Moïse a besoin de justice et Pepe Aïssa a besoin de justice, Boulos. Et n'a pas fort qu'on n'est pas haïtien, ou pas jamais haïtien, et n'a pas fort qu'on est que tout yon président haïtien en fonction. N'a pas fort qu'on est que tout yon président haïtien en fonction. Ou vous devez connaître ça. Et la prêté dans l'histoire. Et de petit en petit, si femme ou là, y a tendé ça. Et faut gagner des réponses proportionnelles qui baillent avec qualité Zach Malhonnête ça. Nous connaissons qui nous parle dans le pays d'Haïti. N'a pas éradiqué la famille Boulos dans le pays d'Haïti. Mais de fait, il faut des réponses concrètement qui baillent si aux jeunes petits tout, si aux jeunes madame ou bien famille ou quel que soit mon yo ya dans Boulos. On avance, papa ici. Privément en Haïti. Pour si critique que nous jugeons au monde, nous sommes condamnés. Il faut sortir dans ce phénomène. Ça. Moi-même, je ne peux pas juger personne. Je dis, il y a des gens arrêté. Il y a probablement jeune poil sur eux. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore reconnus coupables. Donc, que vous voulez monter, écoutez, avec les médias sociaux, avec ce qui a passé dans le pays Robinson, où qu'on est aujourd'hui, vous voulez monter fait sur tout le monde. Nous faisons, écoutez, nous sommes fait 10 ans, parce que j'ai toujours voulu un citoyen engagé.
mal dans la chambre de commerce, mal dans le forum, rentrer dans le forum personnellement, ensuite m'entrer dans la politique. Parce que toujours fait de moi, ils sont responsables, ils vont être tout ça. Tout ça qui vient dans le pays, c'est Boulos qui est responsable. Tout ça qui vient dans le pays. Et maintenant, l'homme, il me dit, bon, on a gagné. Comme je m'étais responsable de tout ça qui gagne, je vais aller dans la politique, je vais occuper le poste, parce que je ne peux pas occuper le poste, et je vais montrer qui ça m'a fait. C'est ça que je me dis, tête. Donc, il faut que moi-même, si je souffre de ça, de vous remonter matin, midi, soir, je ne vais pas rentrer dans vos. Non, là, je ne vais pas de vous remonter, non. Et là, je ne vais pas de. Donc, à qui, madame président, qui était là, et jour même, je t'ai assassiné président, qui accusait le premier ministre, ça, vous considérez quoi vous pouvez vous remonter? Eh bien, qu'elle donne. Écoutez, moi, c'est que madame président parle avec FBI, moi, c'est le parle avec la justice. Commissaire, je crois que le juge d'instruction est invité. Supposez s'il y a information, ça y a. Faut le bailler, et puis quitter la justice avancée. Même pas rentrer moi-même, je ne bat là. Je bat là, je bat en bas cabane, je bat présent, je bat qu'on a un. Vous avez quitté le pays il y a deux jours avant, comme vous t'aimez. Dans, et je ne pas rentrer dans l'aspect ça, problème même là. Ce n'est pas à moi de juger. Laissez la justice faire son travail. Ok. Non, je ne vais pas juger. Non, je vais juste pendant. Non, je ne vais pas rentrer. En fait, je vais de même répondre sur ça. Bon, ou ben. Vous êtes de niveau à Auguste là? Pour l'honnête, il n'y a pas de même répondre sur ça. Non, vous connaissez boulot sous mettre corbeau de yopik garçon. Mais bat chien, tant de mettre li. Jovenel Moïse, il n'y a pas de petit chien bon la oui. Il n'y a pas de petit misangado. Sinon, 16 mois, 4 jours après, ou pas tap roi dossier ça arrête en vie. José n'a pas libéré Colombien, nous mettre libéré les Colombiens. Il n'y a pas de problème. Fait ça n'a pas fait. Nous, tous les présidents, nous prenons le pouvoir. La justice continue à faire toute matière qui est dans le dossier. Ça. Pas de problème. Nous suivons. Je ne suis pas là, je ne suis pas en bas de cabane, je ne suis pas présent, je ne suis pas qu'on a un autre qui a passé. Je ne suis pas rentré moi-même dans, et je ne suis pas rentré dans l'aspect ça, le problème même là. Ce n'est pas à moi de juger. Laissez la justice faire son travail. Ok. Non, je ne suis pas là pour juger. Non, je suis juste pendant. Non, je ne suis pas rentré. En fait, je vais de même répondre sur ça, pour être honnête avec vous. Bon, ou bien explication que vous estimez de travail. Maintenant, je vous dis à la, Dr. Boulos, comment considérez-vous? Qu'on monde qui est simplement à l'extérieur du pays ou bien qui est en exil? Non, écoutez. D'abord, je suis malade. Okay? Je ne vais pas donner des détails. J'ai eu une opération chirurgicale majeure il y a environ 6 semaines. Je suis toujours en convalescence. Je suis un homme malade et je dois rester à l'extérieur pour faire mon traitement. Deuxièmement, je peux dire aujourd'hui que ceux qui ont instrumentalisé des institutions illégalement contre moi, je vais dire un mot, malheureusement, sont toujours en poste. OK? Et troisièmement, l'état aujourd'hui du pays fait que nous avons tous des inquiétudes pour notre pays. Et je suis très inquiet pour mon pays. Mais je suis en dehors du pays pour cause de maladie. Et aussitôt que j'aurai repris totalement ma santé, je travaille là-dessus, je reviendrai comme citoyen jouir éventuellement pouvoir voir mon pays changer, le pays me changer. Et puis, je suis pas parti en exil. Je suis parti pour me faire une fondraising. Il y a un débat qui vivait pendant un bala. Et ensuite, nous avons des problèmes de santé personnelle qui fait que mon concours de circonstances qui fait me dehors tout. Très bien. Assassin criminel, gang, chef, yonan, pigou, baron qui paye comme pour tous les présidents, qui c'est Reginald Boulos, qui nous tape tendé la peuple haïtien. Et qui tape essayé plaider, même Abdi Boulos, tout le monde comprenne, chat connaît, rat connaît, et que Barik Mayan l'a prêté là. Après, nous faisons pile crime dans le pays, nous faisons pile zak malhonnête dans le pays, mais il y a des gens qui regardent et des gens qui comprennent. Et je garantis, tôt ou tard, il y a des réponses qui baillent avec qualité de crime qui nous commettent dans le pays. Nous avons un instant de qui fait un tir aller hier soir. Nous trouvons qui est extrêmement important pour nous faire un tir parler sur ça. Et nous avons fait un instant de l'éca. Et puis l'autre citoyen ça qui les gars de Maisonneuve qui décidait pour que lui-même lui mettait tête comme avocat monsieur Sayo qui se trouve président eh ben gars de Maisonneuve ça m'a dit monsieur commencez prendre responsabilité parce que peuple là pas jouer ensemble avant gars de Maisonneuve et on mettre prendre responsabilité peuple là pas prendre bêtise ensemble avant et en autant de stand de l'ICA non après Boulos en autant de stand de l'ICA.
Ah, n'a gouma kona. Est-ce qu'on fait mieux kounya? On dit Jean mais nous pour là. Mais il est pas privé sous moi là non koto là, non? Non, il va privé sous. OK, m'espérer ça. Stanley n'a koto. Bon, question d'abord de sécurité ou parler à et son problème de 90-120 jours que lié. Dans tout pays, quand on a détruit gang et on a détruit insécurité, et c'est pas la police pour contre lui qui a fait, il n'a pas besoin de faire. Il faut que ça ait une stratégie intégrée de l'État. Stratégie intégrée de l'État, vous dit, d'où est le ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, Conseil supérieur de la police, ministère économique et social, la police, l'armée, intelligence. Par exemple, Salvador Touye, 9000 gangs, gen 43000 rambakod, son stratégie intégrée de l'État que lié. Nan kapanouan, mwen bakabay moun mati, nou pap kakraze gang yo, ministre de la Justice nan trafic zame nan gang, ministre de l'Intérieur nan gang, premier ministre nan Touye président et nan gang. Amoun sa yo ou pa jam ka krasé gang yo. Mte di nou ke ka insécurité a gen 4 étages. Faut nou commencer par premier étage là. Met gang yo nan pays d'Haïti c'est oligak yo. Blanc pa vle manyen oligak yo. Nèg ki nan tête l'état c'est rista avec oligak yo. C'est oligak yo ki met gang et ki met trafic zam nan pays d'Haïti. D'après nous, nous-mêmes capitaine de radio là, année ça kidnapping nan rapporté 39 millions de dollars américains en Haïti. Comme si nous tout pas connaît qui blanc, qui banque cap blanchi 39 millions de dollars kidnapping nan. Détail chiffre ça, détail chiffre ça pour nous faire nous 39 millions, fais nous elle. L'on prend average kidnapping qui fait nan pays là, OK? Average kidnapping nan varié de 100 000 dollars à plus qu'un million de dollars américains. Et l'on fait calcul quantité de kidnapping qui fait dans la zone métropolitaine. Nan, kidnapping nan rapporté 39 millions de dollars américains à Nessa. Comme si 39 millions de dollars, ça, c'est Iso, Tilapli, Vitellom, Chrysla. Nous connaissons yo. L'on m'a sans jour capturé. Non! C'est Oligak Pétionville capturé comme kidnapping. Nan. Contrebande cap fait là avec gang yo. Qui kon ki camion pou yo kite passe, c'est pas oligak la ki met gang yo. Mwen m'ap répété nou ça encore. Blanc américain konnen ki oligak ki nan gang. 15 à 20 oligak ki nan gang yo, li écrit non livre que c'est blanc même qui écrit livre là. Blanc qui écrit livre là rele Max MAX KEL. Monsieur était responsable intelligence renseignement dans ministère son nèg Nations Unies qui lié. Nan livre lan li bay clairement tout oligak Pétionville qui met gang yo. Donc les blancs rete se ti nèg noue seulement kate a l'ap sanctionné. Blanc bien konnen que c'est oligak yo qui met gang yo. Mwa l'explique ou pou ki sa ke blanc pa manyen oligak yo. Son question d'intérêt économique ke liye. Bon bon détail économique qui fait blanc pou ka manyen ni Ariel ni oligak yo. Pendant 16 mois que Ariel là gon transfert de richesse qui fait de ou même maléré qui a terre à oligak yo et blanc corrompu qu'à l'étranger qui travaille avec oligak là combien qu'oublier en 16 mois nèg yo ramassé nan men ou même population 3 milliards 259 millions de dollars américains vet bon bon détail yo nan gaz là nèg yo fait 90 millions de dollars américains par mois. En 16 mois, nèg yo fait 1 milliard 440 millions de dollars américains. Nan courant, nèg yo fait blackout, nèg yo fait 450 millions de dollars vet nan 16 mois qui sont passés à. Nan dollar, nèg yo volé 36 milliards goud on bois et gen 200 millions de dollars américains au prend en banque centrale soi-disant pour stabiliser dollar. Nan la vie chère, elle dit prix l'huile, prix diri, prix sic. Tout ce qu'on mange ou qu'on achète dans l'arrière bien cher, nous avons fait 700 millions de dollars américains en 16 mois. Hola, je suis Luis Ben Cosme, président. Désolé.
Voilà, c'est tout juste dans les 430 millions. Donc, le gars des transferts de richesses là, de ou même malheureux qui a terre, ou même classe moyenne qui a souffri là, à Oligak Pétionville, qui voye bay blanc, qui a protégé, qui a protégé Ariel, total là, sans budget l'État balade, non? 3 milliards 259 millions de dollars avec. Système nan bon pour yo, j'en système nan yé là. Et pour soit blanc, pour que j'en kamane 15 à 20 Oligak Pétionville qui nan gang. Et pour que j'en kamane avec Ariel à tout ministre qui nan gang. Nous connaissons le secrétaire général parlé dans la gang, nous connaissons le ministre de la Justice dans la gang, le ministre de l'Intérieur dans la gang, le premier ministre dans la gang, ouais, ou man, yo. Et bois calé lié, mais pas une autre option. Bois calé, j'en ai peuple à commencer là, dans la pistache. C'est là, c'est ça lié. Merci à personne, à bientôt. Merci. Voilà, bois calé avec Stanley Lucas. Et quatre ministres dans le gouvernement dans la gang, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, mandé, alors exigé Ariel Henry révoqué. Quatre ministres, qui est sur Premier ministre, c'est ministre Justice Lan, qui s'est dorsé Berto. Et monsieur gen dossier trafic ZAM. Monsieur gen dossier trafic drogue. Et non, la partie à citer dans kidnapping, tout ça. Nous gen ministre intérieur Lan, qui s'est lit Kitel. Non, la citer dans kidnapping bien fort. Et li affilié avec ISO, Lan Mosanjo et Tilapli dans Gravine. Nous avons encore le ministre de planification, qui est Rika Pierre, ministre SDP André Michel. Il vise à le couper tout. Non, c'est l'implication dans alimenter vite l'homme innocent. Jean que vite l'homme te fait déclaration, ça dans Info Beto. Nous songeons, vite l'homme te fait déclaration. Et que l'État avoue que il y a un lien avec monsieur yo. Et c'est monsieur qui te qu'on a géré ces deux bagailles ensemble avec elle. Et pour toute raison ça yo, yo révoqué visa et Rika Pierre pendant que le ministre là après ça ou gagné normalement nous capable dit ministre agriculture là et bien que c'est va inorbito ou bien comme ça non monsieur pas vraiment songer non sauf que non c'est ministre agriculture là c'est quatre chefs gang qui gagnent en pouvoir effectivement et que negyo alors qui doit révoquer là OK et ben justement vidéo ça nous t'ai fait li c'est pour nous annoncer que yo pral libérer colombien yo et c'est la justice haïtienne qui a libéré yo il y a des avocats haïtiens qui prend décision qui pour prendre dossier ça parce que yo paye pour ça pas de problème m'a dit monsieur yo jou va jou vient et jou fait la tomber dans de l'eau c'est pas juste ça pour lui si Jovenel Moïse pas de famille n'après ça dans tant que pour venir si pas de bon peuple qui t'ai voté n'après ça dans tant que pour venir m'a dit monsieur continuez courir cheval merci en pile peuple haïtien rendez-vous 6h p.m. après-midi hein.